Alors que le lycée national Léon Ba abritait récemment le lancement de la 9e édition d'Octobre Rose, nous avons vu ce parc automobile mis à la disposition des élèves de ce complexe dans le cadre du transport scolaire gratuit. Ça a commencé la deuxième semaine des cours. La deuxième semaine des cours, ils avaient déjà installé les bus. Oui, c'est régulier. Les différents points de ramassage sont Charbonnage, Zayan, PK5. Il est 13h lorsque nous apercevons ces élèves rangeant en file indienne, prêts à bénéficier d'un transport gratuit. D'avoir plus d'argent et ça nous aide un peu pour ceux qui n'ont pas l'argent, pour ceux qui sont dans le besoin en fait. Bon, pratiquement, je n'utilise pas ça régulièrement. Je pense à ce moment pour économiser l'argent. Les jours que je vais ramener quand même de l'argent à la maison, je prends ces bus. J'utilise ça quand même depuis la deuxième semaine. Le lycée Léon Ba ne serait pas le seul établissement à bénéficier de cette gratuité de transport. 76 autres établissements du Grand Libreville bénéficient eux aussi de cette mesure. Seul bémol, le Gabon ne pouvant se limiter à la seule province l'Estuaire, ces actions sont aussi attendues à l'intérieur du pays, où certains candidats aux examens de fin d'année peinent souvent à rallier leur centre d'examen.